Toute dernière Subaru. En plus, celle-ci c'est la STI. Je la reconnais avec le énorme aileron derrière. Magnifique. Franchement, avec les 4 sorties là. Énorme. Magnifique. Plus, juste à côté, ma cam turbo. Voilà. Nickel, les gens. C'est ma cam turbo. Voilà. Une tuerie. Une tuerie. Donc 2-3 minutes après avoir vu le Macan Turbo et la nouvelle Subaru, la petite 4C, ça fait pas mal de temps que je l'avais pas vue. Donc voilà, c'est toujours aussi magnifique. Hyper propre. En couleur crème mat un peu. Beige, crème un peu. Enfin blanc, ouais. Vous m'avez compris, en mat, elle est super belle. XKR hyper propre. Plus une petite carrière 4 juste ici. Voilà, ça joue pas trop la course. Voilà, en plus, celle-ci c'est la nouvelle. Elle est magnifique. XKR hyper propre. Plus une petite carrière 4 juste ici. Voilà, ça joue pas trop la course. Celle-ci c'est la nouvelle, c'est notre couleur Panardo Merlot. En bref, c'est une couleur de magnifique. Bon, je connais, moi j'étais 4 de 6 GT Tour. Je suis quand même autour, même si j'ai un peu d'avoir fait un jeu. Voilà, ça reste une voiture relativement rare, on va dire. Du coup, je la prends quand même. Tout le monde était blasé d'un, tout le colis qui était arrêté. Voilà, voilà, c'est des Z1. Que bah, de 1, c'est bien rare. Et puis, le porte, il rentre. Dans les portes. Je sais pas comment on dit. Alors regardez, vous allez voir. Oui, c'est comme ça. Plus une RX8 qui est passée là-bas. Ouais, bah attends. Trop de voitures. Ouais, mais bon. Camaro. Ah, c'est celle qu'on voit souvent. Des fois. Une Mustang. Des Mustangs. Ah, c'est celle de... Ah là là! On attend le turbo. Mm-hmm.
ferme. Oh, t'entends le turbo. Droit, droit, droit. Ah non, putain, dommage. Je filme la roue. Oh, il a patiné. T'as vu, j'étais sûr qu'il allait partir. Regarde, boum, il va déraper là. Non. Petite CL500. Petite M6. Plus Rolls-Royce. Juste ici. Rolls-Royce, les amis. Juste ici. Plus la petite M6 qui est là. Bon bah en fin de soirée, petit Cayenne Turbo, enfin fin d'après-midi je veux dire. Donc je vais essayer de prendre le start-up et peut-être une accélération. Et puis voilà quoi.